Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler cinéma. J'ai découvert cet été Prisoners. Mais je ne savais pas que le mec qui a fait Prisoner, c'est le mec qui avait fait le film Incendie, et j'ai découvert Incendie aussi cet été, et c'est deux très 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 bons films, deux styles complètement différents. Je préfère Incendie à Prisoners. Prisoners, c'est plus un film mainstream américain, mais super bien réalisé, et Incendie, c'est un film fou, avec une fin folle. Enfin, Soreya est vraiment bon pour choisir les scénarios. Du coup, il y a un film qui vient de sortir au cinéma qui s'appelle Ennemi, c'est le même réa, je me suis dit, paf, je vais aller voir Ennemi. Et c'est bien, mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'en fait, on est allé au cinéma, on est allé voir ce film, et à la fin, on ne comprend pas le film, d'accord? Si on ne réfléchit pas, on reste comme deux ronds de flanc, j'ai envie de dire. Et à la fin, c'est la première fois que ça m'arrivait à Paris, on était au MK2, donc grande salle de cinéma, bibliothèque, et les gens restent après le générique. Il y avait, je sais pas, on était 8-9, à rester. Il y avait une fille qui était morte de rire, qui se moquait du film, qui n'avait pas compris tout le film et tout ça machin. Et c'était trop bizarre parce qu'on a commencé à se regarder les uns les autres. Et moi, à un moment, j'ai compris un truc dans le film. Et là, les gens ont fait, mais c'est-à-dire quoi? Et j'ai vécu ce moment bizarre où j'étais au milieu de gens, on était 8 comme ça, on se connaissait pas. Et je racontais ce que j'avais compris du film. Et les gens me faisaient, ah oui, tu crois? Voilà, c'était assez ouf. Donc, maintenant, attention, spoil. Si vous n'avez pas vu le film Ennemi, arrêtez. Arrêtez parce que je vais tout dévoiler du film. D'accord? Si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu le film Ennemi, ça, ne le regardez pas. Je vais vous gâcher tout le film. Parce que le film est beau. Hein? Le film est super bien réalisé. Le film fait peur un peu. Mais sur la chute, ça sert à rien. Voilà. Attention, 3, 2, 1, spoil, spoil, spoil! Le héros, donc l'histoire de Ennemi, comme vous l'avez vu, c'est que le héros se rend compte, il est prof d'histoire, et il se rend compte en fait, c'est ça oui le truc, il se rend compte qu'il y a un mec qui lui ressemble, qui fait des films, d'accord? Et il se dit, waouh, c'est mon sosie parfait. Du coup, boum, il a envie de le rencontrer. Et c'est trop bizarre, parce qu'au début, on se demande si ce mec il est pas schizophrène, ou... Enfin voilà, est-ce qu'il n'invente pas un autre personnage? Est-ce qu'il s'invente pas une autre vie, finalement? Et il arrive à le rencontrer, effectivement, il existe, ce comédien existe, il ne s'appelle pas comme lui, il vit avec une femme qui est enceinte. À un moment, dans le film, pour vérifier si le comédien lui ressemble vraiment, c'est là où je spoil, vraiment. Spoil! Spoil! Il prend une photo, d'accord, qui colle sur l'écran d'ordinateur, et vérifie, il dit, waouh, putain, il me ressemble. Cette photo est déchirée, d'accord? Il manque quelqu'un, on voit un début de bras, ok? Voilà. Ce mec qui vérifie, qui regarde la photo, est prof d'histoire. Et au début du film, il dit, et il répète deux fois dans son cours, que l'histoire se répète, que la première version de l'histoire est je sais plus quoi, et que la deuxième version est une farce. La deuxième partie est une farce, d'accord? Il nous le dit deux fois ça dans le film, c'est très important, d'accord? Le film se passe, on voit souvent une araignée dans le film. Il y a souvent une araignée, alors on ne sait pas, dans ses rêves, dans ses trucs, une femme araignée, machin. Puis, vous vous rappelez, le comédien, qui ressemble au mec, se rend compte que la femme de ce mec-là est bonne et il a envie de la niquer. Du coup, il lui dit, on échange nos rôles une journée. Enfin, toi, tu restes chez toi et moi, j'ai niqué ta meuf. D'accord? Ils ont un accident de bagnole et ils meurent. Et ça fait comme une toile d'araignée. La vitre de la bagnole fait comme une toile d'araignée. Ok? Donc, l'araignée qu'on voit depuis le début est liée aux événements. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans la toile du temps. Dans la toile de quelque chose. Ok? Il meurt. Le prof d'histoire se retrouve chez la femme du comédien. Cette femme est gentille, enceinte. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas son mari qui était venu, mais elle lui fait quand même l'amour. Et donc lui, le matin, décide, ça c'est la fin du film, de mettre les habits de l'autre. D'accord? Donc il devient le comédien. Et à ce moment-là, au moment où il met les habits, c'est très furtif, mais on voit sur une étagère dans le fond, une photo, un peu comme là. Et c'est la photo complète du début du film. C'est une photo où il y a la femme enceinte dessus.
Donc, ça voudrait dire que l'histoire se répète pour ce personnage. Qu'il a déjà vécu ça, qu'il était prof d'histoire, qu'il est devenu comédien. Et là, ça recommence. Puisqu'à la fin, il y a une araignée qui sort. Voilà. Alors après, quoi penser du début du film où il y a des femmes à moitié à poil qui écrasent des araignées sur scène? Je sais pas. Je pense que c'est un club. Et quand t'as accès à ce club, t'es heureux. Et quand t'as plus accès au club, tu deviens malheureux. Du coup, lui, il a la clé. Vous savez, pour aller au club spécial où il y a les femmes, voilà. Le comédien. C'est très compliqué. Mais le mec qui vient lui ouvrir la porte à un moment, lui dit « Moi, j'ai plus la clé. Et je suis triste. Et si je peux pas y retourner, je vais être malheureux toute ma vie. » Ce qui voudrait dire que peut-être, ce qui fout le bordel dans leur vie, c'est que tant qu'ils ont accès au show avec les femmes qui écrasent les toiles d'araignée, c'est cool, leur vie monte et tout, c'est bien, il est comédien. Et quand il n'a plus accès à ça, il perd tout. Et après, il devient prof d'histoire. Voilà. Si vous avez compris autre chose, ou si vous avez lu la nouvelle, moi je n'ai pas lu la nouvelle, c'est tiré d'une nouvelle, ennemie, eh ben, allez-y dans les commentaires. Voilà. À plus, à la semaine prochaine. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh! 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 Mais t'es une fille! Ah non! Pourtant que la montagne est belle.